Bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une salade de riz haricots verts. Alors, pour cette recette, vous avez besoin de poivre, de sel. Là, j'ai fait une vinaigrette avec 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre et puis 1 cuillère à soupe de moutarde. Là, j'ai coupé le quart d'un gros oignon rouge. Donc là, je l'ai mis à part, comme ça chacun peut s'en servir parce que tout le monde n'aime pas forcément ça. Ici, vous avez 200 g de riz, 200 g d'haricots verts congelés. Ici, une petite boîte de maïs que j'ai égouttée passée sous l'eau, 2 tomates coupées en morceaux et 2 cœurs de palmier. Et puis pour tout ça, pour la cuisson du riz et des haricots verts, il nous faudra de l'eau. Eh bien, c'est parti pour notre recette. On va tout simplement commencer par faire cuire le riz et les haricots verts en même temps. Donc là, je verse mon riz dans la cuve et je vais déposer mes haricots verts également. Je vais maintenant verser 400 ml d'eau. L'objectif, c'est de recouvrir le riz et je vais pouvoir programmer une cuisson. On va se mettre en mode manuel, en cuisson sous pression, cuisson rapide. Et puis là, je vais prendre pour le temps de cuisson, eh bien, je vais me baser sur le temps de cuisson du riz. Alors, sur le paquet de riz, c'est marqué qu'il faut 10 minutes. Donc, je divise toujours par 2. Donc, on va mettre 5 minutes de cuisson. Je fais OK. Avec un départ immédiat, je peux fermer mon couvercle. La cuisson est terminée. Je vais pouvoir ouvrir mon Cookeo. Je vais maintenant égoutter le contenu de ma cuve et puis je vais passer le riz et les haricots sous l'eau. Et bien une fois que vous avez égoutté le riz et les haricots verts, vous pouvez passer tout ça sous l'eau froide pour refroidir. J'ai passé ça dans un saladier. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le reste des ingrédients dans le saladier. Et je vais placer mon saladier au frais, au moins au frigo, pendant 2 bonnes heures. Je viens de sortir le saladier du frigo. J'ai mélangé les ingrédients. Il ne me reste plus qu'à servir cela avec, eh bien, pourquoi pas, de l'oignon rouge pour ceux qui veulent. Et puis, de la vinaigrette. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour notre recette.